Dépêche-toi, tu n'as plus que 5 secondes pour liker cette vidéo, sinon tu ne recevras jamais le skin Agent Genosis sur ton compte Fortnite. Perso à ta place, je prendrai vraiment pas de risque. Aussi, juste avant de commencer la vidéo les gars, pour toutes les personnes qui veulent me soutenir dans la boutique Fortnite, il n'y a vraiment rien plus simple. Il suffira juste tout simplement d'aller dans la boutique d'objets sur le jeu, d'aller en bas soutenir un créateur et de mettre le code créateur WAIKS-du-bas. W-A-I-K-S et tiré du bas. C'est totalement gratuit et ça m'aide vraiment beaucoup. Merci à toutes les personnes qui le font. Et en plus, j'ajoute toutes les personnes qui mettent mon code créateur sur le jeu. Vous n'hésitez surtout pas. Et moi, je t'avoue souhaiter une bonne vidéo à tous. Salut à tous et à toutes les amis, c'est Wake. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi, je vais super bien. Je suis hyper content de vous retrouver. J'ai vraiment pas mal d'informations à vous proposer. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'en termes d'informations, les potes, on est au top du top. En tous les cas, si vous êtes nouveau, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. Voilà, je suis une chaîne d'information Fortnite, donc si tu ne veux rien louper, que ce soit des informations à l'avance sur le jeu et plein d'autres choses, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube. En même temps, je vous mets directement tous les nouveaux abonnés qui ont rejoint la chaîne YouTube récemment. Bienvenue à vous. Voilà, si tu passes dans la prochaine vidéo en tant que nouvel abonné, abonne-toi à la chaîne et peut-être que tu passeras dans la prochaine vidéo en tant que nouvel abonné. Et surtout les potes, qu'est-ce qu'on fait avant de commencer la vidéo? Voilà, j'ai même plus besoin de le répéter les potes. On met un petit pouce bleu, 1000 likes sur une vidéo est égal 1000 V-Bucks que je vais offrir à un abonné dans l'espace commentaire. Vous le savez maintenant. Aussi, juste avant de commencer la vidéo, voilà, vous le savez maintenant, n'hésitez surtout pas à mettre mon code créateur sur le jeu. Voilà, c'est 100% gratuit et si vous voulez me soutenir, il n'y a vraiment rien plus simple. Tout simplement, vous allez dans boutique d'objets, dans le jeu, vous allez en bas à droite soutenir un créateur et vous mettez le code créateur W-A-I-K-S et tirez du bas WAIKS tout simplement, tiré du bas. C'est 100% gratuit, merci à toutes les personnes qui le mettent. En plus, j'ajoute toutes les personnes qui mettent mon code créateur sur le jeu. Donc du coup, n'hésitez pas. Aussi, dernière petite chose, après j'arrête de vous embêter, c'est promis. Tout simplement, je vous l'annonce officiellement, les 2 vidéos par jour reprennent sur la chaîne. Voilà, j'avais arrêté, je pense que vous l'avez vu, j'étais un peu inactif en ce moment. Je faisais une vidéo tous les 2 jours, tous les 3 jours, etc. Et bah là, aujourd'hui, je suis prêt à vous l'annoncer. Les 2 vidéos par jour reprennent sur la chaîne. Du coup, soyez présents tous les jours sur la chaîne. De 11h du matin à 18h, il y aura une vidéo. Du coup, soyez présents, j'ai pas mal de news. Bon, qu'est-ce qu'on va parler dans cette vidéo, les potes? J'ai vraiment pas mal d'informations. Déjà, de 1, on va parler que plusieurs nouveaux skins Avengers va bientôt arriver dans la boutique Fortnite. Oui, Captain America n'était pas le dernier Avengers qui va arriver dans la boutique Fortnite, j'en dis pas plus. La deuxième chose, les potes, tout simplement, on va parler que le skin Renegade Rider en feu, qui est sorti il y a pas longtemps dans la boutique Fortnite, et ben son skin homme va bientôt arriver dans la boutique Fortnite. Oui, c'est hyper, hyper cool. Tout simplement. Ensuite, on parlait du skin secret de cette saison. Oui, le skin Aquaman n'est pas le skin secret de cette saison. C'est un autre skin bien plus badass, j'en dis pas plus. Et pour terminer, on parlera de comment vous allez pouvoir récupérer le skin Agent Genosis, le skin Bambi en cravate. J'en dis pas plus, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'en termes d'informations, comme d'habitude, on est vraiment au top du top. Bon, on part directement pour la première information. Tout simplement, Fortnite nous l'a dévoilé. Ils nous ont dit que tout simplement, Captain America ne serait pas le dernier Avengers qui va arriver dans la boutique Fortnite. Là, vous allez me dire, c'est impossible, etc. Fortnite nous l'avait dit. Ils avaient dit que Captain America serait peut-être le dernier skin Avengers. Et maintenant, tout simplement, non, parce que c'est Fortnite eux-mêmes qui l'ont dit, que Captain America est le premier skin Avengers qui va arriver dans la boutique Fortnite. Et un deuxième skin Avengers va bientôt arriver dans la boutique Fortnite. J'en dis pas plus, je vous le mets directement à l'écran. Tout simplement, on peut le voir directement devant vos yeux. Assemblez-vous dans Fortnite cette semaine et obtenez le premier Avengers, Captain America. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on aura pas mal d'Avengers tout simplement dans la boutique Fortnite. Pourquoi pas avoir le skin Spider-Man sur Fortnite Battle Royale? Ce serait juste incroyable. Pourquoi pas avoir le skin Thor et plein d'autres skins? Mais en tout cas, tout ce que vous devez retenir, c'est que tout simplement, Fortnite nous réserve plein de petites surprises pour cette saison et que Captain America n'est pas le dernier skin Avengers qui va arriver dans la boutique Fortnite, mais le premier. En tout cas, vous me dites tous dans l'espace commentaire, est-ce que vous êtes content que tout simplement on aura plein, mais plein d'autres skins Avengers dans la boutique Fortnite très bientôt. Mais imaginez-vous avoir le skin Spider-Man sur le jeu. Imaginez-vous avoir le skin Thor, le skin Iron Man, etc. En tout cas, vous me dites tous dans l'espace commentaire, est-ce que vous êtes content ou pas content? On part directement pour la deuxième chose. Bon, on part directement pour la deuxième chose, les potes. Et tout simplement, on va parler de quelque chose que beaucoup de joueurs vont être super contents. Tout simplement, voilà, il y a quelques jours de cela, bon, une semaine à peu près, il y a eu le skin Renegade Rider en feu qui est sorti dans la boutique Fortnite. Je vous le mets directement à l'écran. Tout simplement, ce skin était sorti dans la boutique Fortnite. Tout simplement, c'est le skin Renegade Rider mais en feu. Et ben tout simplement, un joueur a proposé une idée à Fortnite Battle Royale, c'est de rajouter le skin
en homme du Renegade Rider. On perd pas plus tant que ça, je vous le mets directement à l'écran. En gros, tout simplement, on peut s'attendre dans les prochains jours dans la boutique Fortnite ou dans le jeu, etc., d'avoir le skin homme Renegade Rider, mais là en feu. On va pas se mentir, ce skin il est super beau, il coûterait 1200 V-Bucks et non 1500, donc du coup c'est quand même plutôt cool. Mais pour l'instant, et je pense que vous l'avez compris, c'est un concept. Mais vous le savez très bien, si je vous montre un concept, c'est qu'il a vraiment des chances d'arriver sur le jeu. Encore une fois et toujours, vous me dites tout dans l'espace commentaire, c'était le petit concept de la vidéo que je voulais vous montrer. Mais en tout cas, il y a vraiment des chances que dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, on a tout simplement le retour du skin Fournaise, du coup le skin Renegade Rider en feu, accompagné de son skin homme, tout simplement. En tout cas, est-ce que vous le trouvez beau, est-ce que vous le trouvez moche? S'il arrive dans la boutique Fortnite, son skin homme, vous allez l'acheter ou non? Votre avis est le plus important dans l'espace commentaire. Bon, on part directement pour la troisième chose de pote. Et tout simplement, là, il y en a beaucoup qui vont être surpris. Si je vous disais que le skin Aquaman n'est pas le skin secret de cette saison, est-ce que vous me croyez? Bien sûr que non, vous allez me dire que tout simplement le skin Aquaman est le skin secret de cette saison. Et ben tout simplement non, on a découvert dans les fichiers du jeu que le skin Aquaman est un skin secret, mais il y en aura un deuxième. On perd pas plus tant que ça, je vous le mets directement à l'écran. En gros, tout simplement, ce sera le skin Black Manta. Alors, je vais pas vous mentir, je ne le connais pas du tout. D'après ce qu'on m'a dit, Black Manta est un peu l'ennemi d'Aquaman dans le film. Et ben tout simplement, Fortnite nous ont prévu qu'on aurait un deuxième skin secret qu'on débloquera très bientôt, qui sera Black Manta. En gros, le Némésis, l'ennemi juré de Aquaman. Voilà, on va pas se mentir que ce skin, il est quand même plutôt beau. Maintenant, on n'a pas son modèle Fortnite, son skin, tout simplement. On a juste l'image dans le film. Mais là, vous allez me dire, ok, on te croit à moitié. Tu nous dis que le skin secret de cette saison est Aquaman plus Black Manta. En gros, l'ennemi juré de Aquaman, mais est-ce que tu as une preuve? Vous savez très bien, j'ai toujours des preuves. Tout simplement, on a été fouillé dans les fichiers du jeu. Plutôt, un leaker américain a fouillé dans les fichiers du jeu et a découvert tout simplement le skin Black Manta dans les fichiers du jeu. Je vous le mets directement à l'écran. Du coup, c'est même sûr à 100%, on aura le skin Black Manta en skin secret dans cette saison et c'est super cool. Maintenant, vous allez me poser la grande question et je le sais. Comment on va pouvoir le récupérer? Est-ce qu'il sera dans la boutique Fortnite? Est-ce qu'on pourra le débloquer dans les défis, etc.? Pour l'instant, ça n'a pas encore été dévoilé, mais tout ce que vous devez retenir, les potes, c'est que le skin Black Manta, l'ennemi juré de Aquaman, sera un deuxième skin secret de cette saison. Et on va pas se mentir, c'est vraiment hyper, hyper cool. Encore une fois et toujours, vous me dites tout ça dans l'espace commentaire. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous le trouvez stylé? Est-ce que vous le trouvez moche, etc.? Est-ce que c'est une bonne surprise pour vous? Vous me dites tout ça dans l'espace commentaire comme d'habitude. Et on part directement pour le sujet principal de cette vidéo. Et croyez-moi, c'est vraiment énorme comme d'habitude. Bon, on part directement pour le vrai sujet principal de cette vidéo et on va parler du skin Agent Genos. Alors voilà, vous êtes nombreux et nombreuses à m'envoyer des messages en disant voilà, c'est quand qu'on va pouvoir débloquer le skin Agent Genos? C'est qui le skin Agent Genos? Je vais tout vous répondre. Alors tout simplement, la première apparition de ce skin, c'est dans le trailer de l'événement de fin de saison avec Midas dans le chapitre 2 saison 2. On a pu le voir, c'est ce skin. Tout simplement, voilà, on l'a vu une fois dans le trailer. Et on n'en sait pas plus, tout simplement. Oui, dans les fichiers du jeu, et son skin s'appelle Agent Genos. Voilà. Du coup, je vous ai fait quand même pas mal de vidéos là-dessus en disant que tout simplement ce skin était un vrai skin de Fortnite Battle Royale, on allait pouvoir le débloquer. Mais je vous avais dit juste ça, voilà, on n'avait pas plus d'informations. Et ben, tout simplement, depuis ce matin, il y a une rumeur sur Reddit, plutôt. Quelqu'un qui nous l'a dit, d'une source très très fiable sur Reddit, qui nous a dit pas mal de choses sur ce skin et comment on va pouvoir le débloquer. Alors attention, je préfère prévenir, vous le savez très bien, tout ce que je vais vous dire là avec l'agent Genosis, etc., de comment on va pouvoir le débloquer, je ne sais pas si tout ça est vrai. Tout simplement, vous savez très bien que je vous fais des vidéos théories, rumeurs et concepts, et quand je dis quelque chose de officiel, je le dis d'avance, vous le savez très bien. Là, ce que je vous dis directement là, prenez ça avec des pincettes parce qu'on n'est pas sûr, mais vraiment pas sûr du tout que ça va vraiment être la bonne manière pour pouvoir le débloquer plus tard. Voilà, c'est quelqu'un qui nous l'a dit, quelqu'un de plutôt assez fiable qui nous a déjà dit pas mal de choses vraies à l'avance sur le jeu. Donc c'est quand même une source assez fiable, mais il peut se tromper. Donc du coup, prenez ça réellement avec des pincettes. Ce que je vais vous dire là. Tout simplement, cette personne nous a dit qu'on aura tout simplement un événement de fin de saison
pour cette saison. Voilà, vous le savez très bien qu'à chaque fin de saison, on a une sorte de petit événement. Voilà, ça a arrivé que dans certains passes de combat, on n'a pas eu d'événement entre guillemets. Là, normalement, à la fin de ce passe de combat, on aura une sorte de petit événement. Ça sera pas un événement de fou furieux, mais on aura une sorte de petit événement qui nous introduira tout simplement l'histoire du chapitre 2, saison 4. Donc, on a encore un peu le temps, un peu un mois et demi. Donc, tout simplement, on aura un événement de fin de saison qui sera pas ouf du tout. Et on reverra tout simplement le skin Agent Genosy. Bon là vous allez me dire ok c'est cool, mais du coup tu nous dis pas comment on va pouvoir le débloquer. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous dire. Donc du coup je vais récapituler. On aura une sorte de petit événement de fin de saison. Ça sera pas un truc de fou furieux, mais on reverra le skin tout simplement dans cet événement. Et ce skin sera débloquable dans la boutique Fortnite. Alors là vous allez me dire c'est impossible, t'es en train de nous mentir, etc. Tout simplement, on a découvert dans les fichiers du jeu que ce skin est prévu pour qu'il sorte dans la boutique Fortnite. Et il sortira le jour, tout simplement, plutôt 2 jours avant l'événement de fin de saison de ce chapitre 2, saison 3. Et surtout, ce qui est bizarre, c'est que tout simplement, rappelez-vous, à l'événement du chapitre 2, saison 2 avec Midas, on avait pu avoir dans la boutique Fortnite le skin Cyclo. Midas, mais tout simplement avec le skin Cyclo, voilà, tout simplement. 2 jours à l'avance pour un peu tease l'événement. Et ben cette personne sur Reddit qui nous a dit tout ça, il nous a dit que tout simplement le skin Genosy sera dans la boutique Fortnite 2 jours avant la fin de la saison. Donc du coup on peut réellement s'attendre à beaucoup de choses. Il sera dans la boutique Fortnite pour tout le monde. Son prix on ne sait pas du tout. Il peut arriver pour 800, 1200, 1500, pour 2000. Bon j'abuse un peu, mais son prix dépassera pas 1200 je pense. Mais si ce skin est débloquable tout simplement, ça nous affirme déjà beaucoup de choses pour la prochaine saison. Que en gros tout simplement on aura le droit à avoir le skin Agent Genosy dans cette prochaine saison. Donc on aura une histoire, quelque chose du genre. Enfin bref, maintenant comme je vous l'ai dit, tout ce que je vous dis là n'est pas sûr du tout, ça vient d'une source assez fiable sur Reddit, mais tout ce que je vous dis là, rien n'est officiel. Donc du coup, vous le savez très bien, voilà, si cette vidéo s'avérait fausse et que tout simplement tout ce que je vous dis n'est pas arrivé, je supprimerai la vidéo parce que tout simplement c'est normal. En tout cas, j'espère que je vous ai donné beaucoup plus d'informations là-dessus. On verra à la fin de la saison quand ce skin sera débloquable, mais en tout cas, vous avez beaucoup plus d'informations de comment on va pouvoir débloquer ce skin Agent Genosy. En tout cas, votre avis le plus important comme d'habitude, est-ce que vous trouvez ça cool, est-ce que vous trouvez ça pas cool, etc. Votre avis est le plus important comme d'habitude. Voilà les potes, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir, j'espère sincèrement que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Si vous êtes nouveau, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. Voilà, je suis une chaîne d'information Fortnite, donc si tu ne veux rien louper, que ce soit des informations à l'avance sur le jeu et plein d'autres choses, et ben tout simplement, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Surtout, n'oublie pas le petit pouce bleu et d'émettre mon code créateur. Merci à toutes les personnes qui le mettent. En tous les cas, je t'avais souhaité une bonne journée et bonne soirée. Et moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Allez, à peace tout le monde.